Hello les amis, bienvenue dans ce retour de course. On revient de chez Intermarché. Du coup, j'ai ma note, je vais la garder précieusement pour pouvoir mettre les prix. Et j'espère que vous allez avoir les prix parce que je ne vais pas prendre comme ça va sur la note. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Du coup, je vais commencer par le surgelé. Chez Intermarché. On a été que chez Inter, hein, pour le coup. Donc j'ai emmené, hop, mes petits sacs congèle. Voili, voilou. Alors, sur le surgelé, nous avons des frites au four marque Saint-Éloi. Et des rostis aux oignons. C'est aux oignons, bébé. D'accord. T'es heureux? Ouais. Allez, je vais ranger ça avant que ça décongèle. Ok, me revoilà. Ça. Ah, j'ai pas pris l'autre sac. Tu pourras me donner l'autre sac aussi, bébé. Parce que j'ai du frais. Ah, ça, c'est tout ce que j'ai pris à la charcute. Ah, merci, bébé. Ah, je suis mal cadrée, du coup. Bon, je crois que je n'ai pas non plus ultra bien cadrée avant. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je suis passée à la charcuterie, à la coupe du coup, et j'ai pris pâté en croûte Richelieu Cardinal. J'ai pris 3 tranches, j'en ai eu pour 4,83€, ils étaient à 12,99€ le kilo. Ici, nous avons saucisse de Francfort, qualité supérieure, j'en ai eu pour 3,59€, j'en ai pris 6. Et c'était à 8,60€ le kilo. Là, c'est de la saucisse gourmande. Alors, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a de plus gourmand. Il me fait, oh bah, ça ressemble quand même à la saucisse de Strasbourg. Je fais, bah, c'est quoi? C'est parce qu'elle est plus grosse. Bah, c'est peut-être ça, elle est plus grosse. Peut-être qu'elle est plus gourmande. Qu'elle me dit, bon, bref. Saucisse gourmande, 8,60€ le kilo aussi. Il y a 250 grammes. 2,15€, j'en ai eu pour les deux. Et pour finir, j'ai pris du morbier, morbier AOP grand âge, qui était à 14,99€ le kilo. Donc j'en ai eu pour 6,90€ exactement. J'ai pris du morbier à la coupe, mon amour. Heureux ? Heureux. Bah, en fait, quand j'ai vu le prix du morbier de base au rayon charcuterie, le dire n'importe quoi, au rayon fromage, il était déjà à 14€ et quelques. C'est ça que je t'ai dit au téléphone. Ouais. Et je savais que c'était à peu près ce prix-là à la coupe. Donc je me suis dit, quitte à faire, je vais le prendre à la coupe. On continue avec le frais. Donc j'ai pas dit à l'homme, parce que je l'ai au téléphone quand je suis en train de faire les courses. Je dis, tiens, je vais te prendre ça, c'est une petite surprise. Alors, j'ai pensé à du fromage à tartiflette, mais c'est pas ça. C'est pas du fromage à tartiflette. C'est du fromage à raclette. Yeah! J'ai pris deux fromages à raclette Entremont. C'est autrement bonne, nature et fruitée. Voilà, je lui en ai pris deux. Comment ça se fait que tu sais ça, toi? Ouais, y a pas grand chose pour me faire plaisir en même temps. Surtout quand t'es dans le rayon fromage. C'est vrai. En date courte, j'ai pris du taboulé. Donc il y avait moins 30%. Habituellement, c'est souvent du moins 40, voire du moins 50. Là, on est sur du moins 30%. Le de 1,85€, il était à 1,30€. Il y a combien à l'intérieur? C'est du 300 grammes. Donc, c'est mon taboulé au poulet et à la ciboulette de Monsieur Pierre Martinet. Oh, il n'y a que ciboulette. Ouais. Pas beaucoup. Hein. Non, ils ne sont pas très généreux. L'homme voulait que je prenne de la tomme de Pyrénées. Hop, donc je lui ai pris. On a repris un pot de crème fraîche légère marque Pâturage, toujours celle qu'on prend habituellement. Un beurre, il y en a un qui est dans le congèle. Tu l'as laissé dans le congèle du coup? Non. Non, tu l'as sorti du congèle? Bah oui. Et comme ça, on mettra celui-là à la place au congèle. Mmh. En date courte, j'ai pris du saumon fumé. Il était à 4€ au lieu de 7€ et quelques. Voilà, j'en ai pris deux. Et nous avons repris aussi de l'emmental, les gros gros paquets de chez Pâturage. Il y a 1 kg je crois là-dedans. Ouais, c'est ça, il y a 1 kg
des mentales râpées. Bah, c'est mieux d'acheter au kilo, en même temps. Bah, il est moins cher. Et chez nous, ça part assez vite quand même. Hein. Quand même. Bah, je n'ai pas trop de gruyère. Hein. Alors, le frais, c'est ok. Je remets juste dans le sac. Hein. Histoire que ça se conserve bien au frais. Après, je ramène mon sac. Harris. Deux. Notre préf pain de mie aux céréales. Panzani. Sauce tomate, sauce bolognaise. Deux, celle qu'on prend toujours habituellement. Des pommes de terre. Ah oui. Ouais. Ben, je me suis dit, ça peut être sympa, pommes de terre, raclette, hop, faire fondre dessus. Je te rappelle que j'ai déjà un gros paquet. Oui, je sais. L'homme voulait du chocolat. Oui, parce qu'elle a mangé le mien. Hein. Tu peux le préciser aussi. Hein. Non, alors non. Manger, ça veut dire j'irai tout manger. D'accord, t'as pas tout mangé. J'en ai mangé deux barres. Ben, c'est déjà très bien. J'en aurais pas mangé s'il n'était pas sorti. C'est de ta faute. Donc j'ai pris... Mais le Nutella, le chocolat, ça coûte une blinde quand même. Hein. Parce que c'est combien j'avais dit les trois tablettes je sais plus. 4 euros et quelques. Plus, presque 6 balles. Non mais oui, mais le chocolat a augmenté. 7 euros, non, 7 euros et quelques. Bon, bref, peu importe. Voilà, donc là il y a fois 2 barres, donc c'est riz croustillant et on a pris au dain. Voilà. Les dins. Je ne sais pas d'où ça vient cette invention de dins. Pour mon gros bébé, mon gros loulou, bien sûr, qu'on lui a repris, hop, du Whiskas. Oui. Tu t'es pas trompé en fait, hein. Tu n'as pas pris tu lui as pris de la terrine. Alors, et comme ma mère. C'est-à-dire qu'une fois tu te trompes, ça va faire 20 ans qu'on se connaît, je me suis trompée une fois. À chaque fois que je vais revenir. Tu t'es trompé mon cœur. L'avant-dernière. Ben moi. Ah bon? Parce que moi la dernière fois c'est moi qui l'ai acheté hein, il y a 3 jours. Il y a 2 jours. Bravo. Je te félicite. Ouais. Tiens, oui, applaudis-moi. Merci. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que en une fois je me trompe et je lui prends de la sauce ou du gelé. Donc écoute, en même temps, il l'a très bien mangé. Bon, et j'ai pris ça. Donc ça, on l'ouvrira après avec les petites vignettes. Ça, ça coûtait à la base 60... Combien j'ai dit tout à l'heure? 63, 68, je sais plus. Trop cher. Enfin bref, ultra, ultra cher. Je crois que c'était 63 euros et quelques, ça. Et en fait, j'en ai marre d'avoir des couverts dépareillés. Je me suis dit, bon ben, je vais profiter des vignettes de chez Inter. Ah, c'est dans des... C'est encore dans les packs. Bref, je vous montrerai ça à la fin pour voir si c'est quali ou pas. Mais ceux qui étaient exposés, ils avaient l'air très quali. D'ailleurs, c'est pour ça que je les ai pris. Ok, c'est bon pour ce sac-là. Suivant. Encore pour Loulou parce que une fois qu'il a mangé ses boîtes, voilà. Faut qu'il soit tranquille. Ah, j'ai pris ça pour papa. Faut que je lui amène. Terrine de campagne, mousse de foie de porc et terrine de foie de volaille, tout au cognac. Ah non, sauf la terrine de campagne. Voilà, il voulait que je prenne des terrines comme ça, du coup, je vais pris un lot de 3. J'ai également pris des petits gâteaux, j'ai pris des tuiles aux amandes. J'ai pris un lot de 2, des petits palais bretons. Les palais bretons, la première fois que j'en ai goûté, je devais avoir 11-12 ans. Ma mère, elle m'avait emmenée, parce que ma mère, elle n'en achetait pas, ma mère, elle m'avait emmenée à la piscine. Et on avait rencontré son cousin, je crois. Non, ou son oncle, avec sa fille. Et ils avaient des palais bretons. Et c'est la première fois que j'en goûtais, je trouvais ça super bon. Décrosé. Des piles, 4,50€, les 16 piles, voilà.
Voilà, c'est ce qu'elle n'a pas donné à ta mère. Non, bah non, bah non. En fait, ma mère, elle s'est garée en bas pour qu'on puisse descendre les courses. Et il y a une voiture qui arrivait juste derrière. Donc, on s'est speedé. J'ai pris 3 pommes golden et 3 courgettes. Et c'est tout. Tu as repris des courgettes? Ouais, il en reste 2. Je vais les faire ce soir, celles qui sont là-bas. D'accord. Voilà. Enfin, tu n'avais pas vu. Et on va regarder. Je vais déballer un petit peu ça. J'aimerais bien savoir ce que ça donne quand même. Ces petits couverts. Hein. Parce que franchement, je crois qu'avec les vignettes, ça coûtait 25 euros, il me semble. Waouh. Eux, ils sont dans l'emballage, quoi. Ah ouais, donc en fin de compte, dans chaque, il y a une cuillère à café, une cuillère à soupe, une fourchette. Ouais, elles sont calées quand même. Elles me font penser un peu au guide de graines. Ouais. Ouais. Ouais, franchement, elles sont... Comment est-ce que je peux vous montrer des cuillères? Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Mais je sais pas. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je vous montre comme ça. Mais ouais, quand même, elles sont calées. Hein. Je vais en ouvrir une de chaque quand même pour voir. Comme ça, je te montre, bébé. Ah, si elles font vraiment cali. La grosse cuillère. J'aime bien, je vous dis la grosse cuillère comme si vous n'arriviez pas à voir que c'est une grosse cuillère. Et une louche. Elles sont extrêmement basiques, hein. Mais moi, je trouve que des fois, le côté simple, c'est ce qui fait raffiner aussi. Je trouve. Tiens, je vais donner à l'homme pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Tiens, bébé. Oh. Et le couteau. Ouais, franchement, j'en avais trop trop marre d'avoir des trucs tout dépareillés tout le temps. Parce qu'elles sont design, quand même. Elles sont... Même la forme est sympa, je trouve. Ah oui, design. Tu vois, non, mais là, je vois le couteau. Je trouve que le couteau, il est... Enfin, tu vois, je trouve que c'est joli. Ça fait raffiné, tu vois. Même le manche, il part légèrement un petit peu en dégradé là. Il fait un peu plus... Il est très fin ici. Hop, et plus épais là. Il est en train de se recoiffer dans la cuillère à soupe. Il fait rire. Trop beau. Merci. Bon, et ben voilà. Voilà un petit peu. Je vais pas vous déballer toutes les fourchettes, les couteaux, les cuillères. Hein. Je vais le faire tranquillou. Je vous fais plein plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner parce que ça fait du bien et ça permet surtout de voir que, ben, que je suis un petit peu aimée, hein, dans ce monde incroyable. Vas-y, plein de choses. Non, mais c'est vrai. Tu sais que quand je regarde, chérie, au niveau des statistiques, il y a plus de la moitié des personnes qui me regardent qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Ah bon? Ouais. Ah bah alors, faut s'abonner les gens. Et le mot de la fin, le mot de la fin de cette vidéo sera couvert. Donc si vous êtes resté jusque là, mettez-moi un petit couvert ou alors un petit emoji couvert. Voilà, je vous fais des bisous. À très vite. Ciao. Ciao, ciao.